Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. C'est à toi. Le principe, tu vas inventer une sorte de vie parallèle à notre invité, hein, c'est ça Lou hein. Ah ouais. Alors, bon, Pierre Bénichoux, hein, nous le savons, vous êtes un grand journaliste, mais avez-vous toujours voulu l'être ? Admettons que vous ayez 18 ans à nouveau. Si, si, on se concentre, s'il vous plaît, on peut y arriver. Hein. Bien équipé, avec une gourde, une boussole et un sac de couchage, on peut tenter le retour vers les 18 ans. Admettons que vous ayez eu un physique à la Warren Beatty et le charisme de Steve McQueen. Bon, on est d'accord. Je me dirais, j'ai raté mon physique, mais j'aurais pu. Bon, on est d'accord qu'avec ces deux atouts, hein, on ramasse les filles qu'on veut. Oui, oui, Pierre, parce que je sais que si vous avez abandonné votre passion pour la musique, c'était pour plaire aux petites brunes. Enfin. Moi je dis ça, j'en sais rien, hein. Mais comme depuis le début vous m'avez pas regardé alors que je suis grande et blonde, ben j'extrapole. Bon bref, revenons à l'essentiel, les jeans, non pardon, les blue jeans. Ah, là tout de suite c'est plus clair hein. Oui c'est ça l'essentiel, parce que sans l'envie de jouer les cow-boys dans un 501, non, 402, 300. Bon, moins 100 avant les bistros, vous n'auriez jamais eu besoin de vendre vos guitares. Vous avez 30 ans, l'odeur du tabac froid et l'humidité des caves n'ont plus de secret pour vous. Vous jouez devant une poignée d'habitués au troisième sous-sol d'un pub à Saint-Germain. Pardon Pierre, Saint-Germain n'est prêt, bien sûr. Vous êtes bien évidemment payé au chapeau. Mais attention, hein, un beau chapeau. Hein. Le chapeau fait main que tu trouves qu'au bon marché. Le genre qui permet de prendre un billet low cost pour aller sur la 5ème avenue. Je rassure l'équipe qui me regarde avec un soupçon d'inquiétude. Je ne suis pas en train de faire une biographie de la vie de Pierre. Hein. C'est bien de sa vie parallèle qu'il s'agit. Ah, même si beaucoup d'éléments sont similaires. Si vous saviez, elle est beaucoup mieux que la mienne. Même si beaucoup d'éléments sont similaires. La vie de merde que j'ai eu, vous pouvez pas savoir. Là, j'aurais bien aimé. Attendez, elle n'est pas finie. Beaucoup d'éléments sont similaires, la beauté, le talent, les compagnies low cost, hein, type EasyJet, ouais. Pour ne pas les citer. Ah, ma quelle conne. Bon, bah maintenant on est obligé d'en citer deux autres. Quelqu'un en connaît ? Pierre, peut-être ? Non. Non ? Ouais, vas-y, vas-y. Bon, alors merci beaucoup hein, pour cette aide. Non, je pas. Ouais. Non, bon, bah maintenant vous avez 45 ans. Vous n'avez pas encore pas de jet encore, privé ? Je vais bien le tourner. Vous n'avez pas encore de jet privé, mais vous collectionnez les pantoufles et les trousses first class. Enfin, première classe, pardon, déformation générationnelle. Vous y êtes. Fini les concerts poussiéreux, place au lancer de petites culottes. Vous fuyez les groupies en furie, vous êtes quadruple disque de platine. Mais vous ne vous êtes pas contenté de faire crier vos guitares. Vous avez aussi, grâce à votre déhanché légendaire, fait de l'ombre Claudette. Aujourd'hui, vous continuez à être complet une heure après la mise en vente de vos billets de concert. Et vous parcourez le monde en quête de nouveaux looks, car en bon showman, vous ne pouvez pas vous permettre d'afficher deux fois de suite la même coiffure. Votre vie privée, quant à elle, est si bien protégée que je suis incapable de vous dire si vous êtes marié avec 5 enfants ou si vous avez fait le choix de rester un éternel célibataire. Bon, alors Pierre, si vous n'aviez pas eu la vie que vous avez eue, auriez-vous accepté celle que je viens de vous proposer ? Oh oui, ah. Oui. Franchement, parce que vous connaissez beaucoup d'hommes. Merci. Beaucoup d'hommes qui vous diraient non, la vie que vous me proposez ne me convient pas. Sinon, c'est pas un piano que vous avez, c'est des ratiches absolument incroyables. Radio VL. Radio VL.